Ma Mission TV, le miroir du monde. Dadjida Banza, il est là. C'est lui qui avait dit que si le général connaît Dadjida Banza, et il avait ajouté que d'ailleurs il est déjà mort et jusqu'à présent on est en train de garder le corps à la mort. Il est présent. C'est lui qui avait demandé à la cour de me poser cette question. Répondez-le pour vous donner au camp qui a confirmé. Oui, monsieur le président, je suis poursuivi pour le crime. Et être encore rançonné pour le même fait. Là où nous n'avons pas confirmé. Eux, on vous doit du respect. Ici, il n'est pas question que quelqu'un vienne donner des leçons à la cour. Nous qui sommes partenaires indispensables pour une bonne administration de la justice, on ne l'acceptera jamais. Le renseignant a été appelé par votre cour, par le pouvoir discrétionnaire qui vous est donné sur pied des dispositions de l'article 249 du Code judiciaire. Major Dadji à l'époque, commandant Badin PM. Est-ce que Aïbaki personnellement, Basuda ou une autre Soudan qui n'a pas beaucoup de mots à la garde, donc la position, Aïbaki Bininosu. Est-ce que Aïbaki Bininosu, d'abord 4 ou il y a moyen de changer, n'a pas oublié de changer. Aïbaki Bino personnellement. Aïbaki Bino. Bon, pendant que hier, Pessa qui est union, mission en air pour Kengi la Pissala Naïdunaya, est-ce qu'il y a de temps en temps pour un chantier? Azaï Poya. Ça, son talent, vous savez où il est. Moi, il y a un mot. Alors, voit qu'il a consigné. Consigne la gaz qui pour contrôler ni tout pas bien sûr pour militaire et bien sûr pas autre. Commandant bataillon attaque pour mandat. Ce qui a eu singa, Zoua, Bédopé, Salakam, tu le connais à la Koboya. 1er juin 2010. Est-ce que vous reconnaissez le avoir cédé une maison pour habiter vers Miteni? Oui, l'avoir logé dans une maison à Miteni. Pas celle. Il y avait. C'est cela.
une défense semière sur le terrain, on peut bien expliquer. Vous verrez que c'est tout juste derrière, avec une maison, tout juste derrière la position des victimes. Oui, les militaires qui manquaient pour dormir, et si on arrive sur le terrain, vous verrez même l'endroit, Tam-Tam, l'ancien Tam-Tam. Vous verrez que c'était vraiment. Oui, dans une, vous avez décédé une maison en location, en dehors de vos deux parcelles auxquelles vous avez fait allusion la fois passée. Oui, là, c'est. Oui, c'est ça que je dis. Cette parcelle-là où vous avez logé les militaires Banzakalo, ce n'est pas les deux parcelles que vous avez. Non, non, c'est à 2 ou 3 kilomètres. Ma mission TV, le miroir du monde. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, agitateur première classe, Dongala Djangan. À vos ordres, mon colonel. Armons, pied. Réponds. Affaire à continuation. RPA numéro 050-11. Après auditeur général ministère privé, et les partis civils du BEUF, de TBA et de Bazan, les frères et sœurs de TBA et de Bazan, les offres de TBA et de Bazan, ont joué la voix de sa voix et regardent. Contre le prévenu, conseil supérieur Christian Ngoy Kenda-Kenda, et comme c'est Jacques Ngabo, 15, et la RDC civilement responsable. Prévenu d'édoutement d'armes et munitions de guerre, association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et désertion simple. C'est à qui ça, le premier. 050. Prévenu. Commissaire supérieur Christian Ngoy Kenda-Kenda. Prévenu Jacques Migabo Kézi. Présentez-vous à la barre. Comparé, assisté par ce conseil, Maître Montiri Mokoto. Conformément à la loi, en donnant lecture du procès verbal de sommation. Faites au prévenu Ngoy Kenda-Kenda, conformément à l'article 239. L'an 2021, le troisième jour du mois de novembre, vu les dispositions de l'article 239 du Code judiciaire, attendu que le prévenu commissaire supérieur Ngoy Kenda-Kenda, présent à la prison militaire de Ndolo, refuse de comparaître devant la haute cour militaire siégeant dans la dite prison. Entendu que pour la bonne administration de la justice, il est chargé de sommer le prévenu conformément aux dispositions précitées. Nous, colonel Bondey et Baya Jean-Pierre, greffier à la haute cour militaire, nous trouvant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, donnons sommation au prévenu précité de comparaître à l'audience de ce jour, lequel refuse. En fait de quoi nous avons dressé le présent procès verbal en présence des agents ci-dessus et le prévenu refuse de signer. Il s'agit de Capitaine Moussa Roland, commandant second détachement et sécurité, Mongui Lacélé et Assé Malenga Chris, chef VIP. Voilà. Cela étant, nous allons passer en revue les. Nous allons demander aux parties civiles de faire acter leur comparution. Il y a certains renseignements que les parties ont sollicité leur audition. Alors je vais inviter le général Djadidja. Il est là. Général Djadidja. S'il est là,
Police d'audience, le maire général n'est pas à Zalaki. Moukalaï, le colonel Moukalaï, il est là. Oui, on l'isole aussi. Police d'audience, Salanouki, vous vous isolez Bamonoki. Oui, Lunga. Mon colonel. Va isoler un peu. Lieutenant Bokungu. Lieutenant Bokungu. Présentez-vous. Position Boni, la poste Boni, il y a Moussala. Et l'ombre est abattue, mais la poste n'a pas de Moussala, il y a Moussala. Poste n'a pas de Moussala, il y a Moussala. Il y a un moko, il y a un moko. Pour qu'il y ait l'habitat de service. Oui. Dans la signa qui a eu. Pour Manda Bataillon. Manda Bataillon. Vous avez qu'on change le temps de service de Kayamo pour vous en amortir. Vous avez qu'on change. Vous avez qu'on change. Par mois. Pardon? Par mois, vous changez de baisse. Chaque mois, vous avez qu'on change de baisse. Chaque mois. Est-ce que quand vous avez qu'on change de baisse, vous avez changé de l'équipe? Moi, vous avez qu'on change. Bonsoir, vous avez qu'on change. La même base qui permanente, vous avez qu'on change. Oui, oui, parce que vous avez chef d'équipe, vous avez qu'on change. Tout le monde a pu t'avoir toi sa vie. Et là. Et là, la vie va changer. Pourquoi tu as dit la sans année? Décembre. Décembre est un bon année. 99. 2009. 2009. Oui. Vous assurez? Oui. Vous voyez que l'on voit quand? Là, vous voyez que l'on voit 2000, avant tout 2004, 2014. 2013 à 2014. Est-ce que pendant que l'eau, on va changer à qui dit non? Vous allez pour changer. Et l'eau? Gaï va changer à qui? Il va changer à qui? Oui. Alors, na équipe, na yo, na banane, vous allez vous allez changer. Vous allez qui? Vous allez pour changer. Vous allez pour la 4. Les Akinal. Gaï. Yo. Sayo. Oui. Banza. Oui. Nabo. Et bien, on va vous aller. Idem. C'est ça? Oui. C'est 2014. Oui. Donc, on a dit poste de M. Zara qui était Kakawana. Kakawana. Est-ce que. Les autres zones de la Pona, Toyo Kanamara, est-ce que de temps en temps, détachement pembeni pour que les moussala pembeni moussala nous faisons quitter notamment et pas ya la nous pas ou à commandant parce que les dégéni pour que les pas commandant tout ça pour que les soki moussala les alli pour que les moussala soki mazo ça donc soko moussala les alli bine vous a voté la barre mazo ça pour que les coupés ça va voir t'as vu l'eau pour lire ou bien pour Bazangi si moi ou bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire des choses pour que ça. Pour que les gens qui font mal, pour que ça va mal, pour que ça va mal, si moi,
Donc, il y a le colonel commandant, quand nous avons eu Tana Kinshasa, pour le Kenamitelli, nous avons fait ça au fond au Copona, pour subvenir, pour que ça a besoin de la soldat, il y a un maçon. Commandant, il y a un côté de la copesse. Nous avons fait ça en Allemagne. Ce qui est aillé à Pessingaï. Nous avons un abîmé de la poste. Oui. Ceux qui ont apprécié par moi, ma soeur, mon père, par moi, tant que 5 jours, ou bien 7 jours, ou bien une semaine. Bonsoir, maman, les amis, bon, maman, vous avez besoin. Et on a dit qu'il a apprécié par moi, pas la gagne. Oui. Major Djadjiz à l'époque, commandant bataillon PM, est-ce que Aïba qui personnellement, Basouda ou Union Soudan qui n'a pas beaucoup de monde, ou ça la garde, donc la position, Aïba qui est Union Soudan? Est-ce que Aïba qui binou non sonné aux Alati d'abord 4 ou à Noël aux Aou changé t'es n'a pas au Mibale ou Bamso aux Aou changé Aïba qui binou personnellement Aïba qui mission bon pendant que y a Pessa qui est yo mission en Aïko King et la Missala Naïkuna ya est-ce qu'Azako y a de temps en temps pour un chantier Azaïko y a Azako y a de temps en temps un chantier oui ce qui est Azalia ou à Paris mon collègue qui est à défiler. Mais mon antenne me sera payé tellement. Au Tikala, jamais comme on a eu na qu'on a la porte la ville, on a chantier à Jena Djadji. Lieutenant KTV. Président Mokona. Bah, élément au Yayo. De temps en temps, Bazaï Okende na chantier à l'année, commandant Batana Bino. On a copé ça. Moi, il a besoin. Est-ce que Bazala qui peut Tikalawana, je ne sais pas, tu vas dire que tu es là, mais c'est le gros bazon qui m'a. Là où tu as donné mon nom, oui. Là où tu peux pas dire comment tu as dit. Est-ce que vous avez un système pour vérifier pourquoi ce qui va donner à Bazali? Quelque chose, système à appel. Appel à la Boutou, ce qui te absent, tu es à Boka. Oui. Tu es à Boka, 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 oui. Ce qui va être mis en tout cas, et nous allons profiter pour contrôler ceux qui sont dans la carte, ou le temps qui va nous caler. Oui. Oui. Alors, ici, vous avez dit que 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 vous avez en permanence. Les gens qui vous avez dit que vous avez dit que vous. Donc à tout moment, il n'y a pas de situation, il y a pas de maillot. Ce que Bazarin apporte sur tout Bazarté. À tout moment, vous avez envoyé Bango. Bah oui, tout ça n'a pas de maillot, c'est comme vous avez envoyé Bango. Pardon? Bah oui, tout ça n'a pas de maillot, c'est comme vous avez envoyé Bango. Vous avez envoyé Bango, c'est comme vous avez envoyé Bango. Vous avez envoyé Bango, c'est comme vous avez envoyé Bango. Vous avez envoyé Bango, c'est comme vous avez envoyé Bango. Donc, par élément, il y a un moussou sur Bazarin, qui est envoyé Bazarin. Oui, à mon moyen de transport, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Non, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été. Alors, vous avez en tant que chef d'équipe, vous avez un rôle. Rôle de Zaki Nakaya, rôle de Abatoui, vous avez un service, vous avez un service qui est Vatican. Alors, service, ils ont un service. Mi balé. Donc, mi balé, vous avez un service. Oui. Quatre, vous avez un repos. Oui. Service, ils ont combien de temps? Zaki journalier, Zaki Tongo, qui pourquoi? Zaki Nim. 24 heures, au côté de Tongo, Tongo n'a pas de Tongo. Donc, au côté de Tongo, au côté de Tongo. Oui. C'est-à-dire que dans Boutou, en réalité, les gens ont dit qu'à l'année, il va tout mi-balé. Mi-balé, 4. Ça a été le Nabo.
soit va peine sur place, soit na banda ko na bango. Boy. Pour le but va zagi na banda ko na bango. Ezagi ne banza banza kaka. Banza ne zaki ne panaye. Iya zaki e panaye. Boy. Donc moi hier moi si na Renseignant KPB. Présent. Quand on dit que nous avons au cours de la position, et ça va qui combien? Position. Il y a Oleko. Il y avait une position là-bas, les peines. Et ça qui est. Police, c'est ça qui Merci, Monsieur le Président. Juste pour cette question-là, je crois que si la Cour, la Haute Cour a position. Oui. Tout dit à la Cour, au lobby qui est occupé dans le mois de décembre. Oui. Le Président a incité pour la retourner ce que des années, en décembre. Oui. C'est là qu'il a avril, t'es. Avril. C'est là qu'il a maître. T'es. Monsieur le Président, je te tiens par devant moi. Le bulletin de service. Ce bulletin de service vous accordait un mois. Oui. On va vous le donner pour vérifier si c'est ça. Et là, il y a sur le plan catégorique, vous étiez là. Je n'ai pas vu beaucoup de monde. Mais c'était pour un mois d'avril 2009 au mois de mai 2009. Transport facultatif. Mission contrôler les militaires aux issues de Kinshasa. Signé par le commandant bataillon Djadjidja. Est-ce qu'il reconnaît ces papiers ici que je détiens? Allô, bien, il y a avril. Oui, avril 2009. Police de Dias. Excellent. Nous sommes dans le classement. Hein. Ça sont la poussée ou bien gagné. La moni en go. La moni en go. Si go le vide. La moni comme on a mis à la kinde au colonne. Elle dit la poussée qui vous colle à la kinde. C'est-à-dire que vous avez des rebanades depuis 40 ans. 2010, on a payé pas de poids qui chaque mois, on a encore payé plus. Oui, ça 2009. Oui, Zaki, non, moi, mon compte, chaque jour, c'est pas 2017, nous allons sur les 10 ans. Là, on ne croyait pas, je suis dépourvu dans sa question, la papier, soit à côté. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci. Vraiment, c'est qu'il allait devant vous que chaque mois, il y avait un bulletin de service. Il n'y en a pas. Le seul document qu'on a trouvé au classement, c'est ce document-là. Renseignant KTB. Tant que Batangi, on a dit, tu aurais vu qu'on s'en baquait. Raison au ni le baki pour la coquine de coquine de la position à 2009. Au pèse qui raisonne. Le point de poste tout ça qui. Oh, il y a eu autant de bassins qui s'aki ou au répondant qui. Permettez, monsieur le directeur général. Oyo qui m'a tout nanaé. Auditeur général a nous dit. Bon, mais ceux qui m'ont fourni, les postes est trop. Je n'ai pas de choses à gagner. Juste que les postes, aujourd'hui, relève donc et pour relever le bateau. Sous le bateau, il y a un bateau ici, moi en avant. Et aujourd'hui, étiez-vous présent lors du morcellement? Du morcellement du site Millennium au quartier qui en vous là, dans la commune de Mongafula? La réponse, non. Nous étions placés sur ces sites en position de sécurité sur les lieux, car il y avait tellement de l'insécurité, et ce, en 2009. Alors, nous tournons à Okende, pour nous sécuriser concession à Djadjidja, ou bien Okende qui prend la position au Yobino, pour nous avoir la position de la Bazakokota, pour nous avoir la position de la Bazakokota.
contrôle. Bon, sécuriser position, on a la petite réponse. Pour sécuriser position, et ça, pour le babus, poste à contrôle. C'est ça qui peut sécuriser le paroté, ou bien ici, quand on est là, comme on côté. Renseignant, pour le bas qui peut, l'inga là, ça va, interprète. L'audience passée. Au loba qui que tango bosilisi kokunda monsieur Bazana Bobimaki na Banza. Est-ce que vous avez confirmé yango? Okita ki to hotika etende ya chebe nde na yaki komo na Banza na place wana na yaki nani kenga abengie Banza lobby. Mais si qui voiture ya Chebe, on est parti en haut. Vous en avez idée en haut? Jour où tu quittes la ville et terrain, Donc vous allez à peu près 1 km ou bien 1,5 km. Et ça, moi, aussi. Attends. Yoka. Donc, il faut les cas, Moutouka, au Kiti, ou bien il faut aux Ongassima. Au Tiki, par rapport à Isoki, mais moi, comme vous. Non. Vous allez à la question est précise. Au Yébaki, au moment qui place Moutouka, il y a la Tika qui court, il y a Tchebeyana, Moutouka Naé. Oui, bien, on a l'idée là. C'est l'autre qui est là. Oui. Banza. Oui. Sikoyo. Ce que tu joues, point. Il y a départ. Et si tu as dit que tu as dit que tu as Banza. Et ça, il y a des bosses qui sont sur le monde. Pour tout que ça, il y a des bosses. Il y a Banza, il y a des côtés à la tête. Donc, il faut les cas, d'Apoya, il faut les cas, Moutouka, pour dire qu'il faut que vous voyez, il faut se faire une amitié de la Wenza, amitié de Tokiti et Baron. Je fais donner acte à la Cour sur cette précision-là. Section générale, la personne qui est direction, il y a Mitendi. Oui, il y a Mitendi, mais. À Tika, vous avez dit que vous avez une concession dans la parcelle à partir de l'inspection et la police. Oui, là, vous avez dit que vous avez une concession à la police. Avant Bolongwa, vous avez une inspection générale. Voilà. La Cour veut savoir. Pour Elingiko Yeba. Tango vous sili si opération. Sikoyo nani apesa ki direction. Alobaki bokende boy. Nani apesa ki direction apesa ki ango nanan. Oui, alobaki doke direction mitende, smenke ya mitende. Tango doko mikuna, parce que ya za akisima. Ye na kokota ne avengi biso na telephone. Donc, avant de quitter, avant Bolongwa, inspection, attendez qu'il compote ya concession à Djadjida. Oui. Vous avez la direction Miteni. Oui. Tant que vous poussez, il y a le bureau de téléma. Stop. Donc, tout le temps, ça m'arrête de voir des vieilles histoires
Voilà. Attends, Qu'est-ce que nous devons retenir? Il était-il question de contrôler ou de sécuriser les sites? Parce que même tout à l'heure, il a été dit dans les procès verbal de son audition qu'ils avaient été affectés pour sécuriser les différentes concessions du commandant bataillon. Ça, c'est dans son procès verbal. Alors, dans ces trois versions des faits, quelle est la version des faits que nous sommes censés retenir? Et aussi les concessions dans le PV. Pour sécuriser la concession. Quelle version pour retenir? Gaï Nazala qui pona pour contrôler ma militaire. Les Yamboana, pour être suivi. Pour lui. Ce procès, c'est un procès historique, événementiel, parce que c'est un procès qui a fait beaucoup de bruit et nous sommes au moment de l'éclosion de la vérité. J'ai suivi M. Katebere, que nous, partis civils, nous considérons comme le superviseur du cimetière sui generis, criminel, parce que non reconnu par l'État congolais. Dire à votre juridiction que il y avait des gens qui étaient en poste et ceux qui n'étaient pas en poste, mais qui venaient chaque jour, les deux, ceux étaient en poste et ceux qui n'étaient pas en poste. Ils venaient tous les jours au poste des Miteni. Alors, la question des partis civils, c'est celle de savoir, parce qu'il a soutenu que les premiers, ils n'étaient pas là. Selon les dires qu'il a eu à faire devant le ministère public, il était en repos. Devons-nous penser, ou peut-il confirmer à la cour, que lui aussi s'était trouvé le même jour? Parce que et ceux qui étaient en repos et ceux qui n'étaient pas là se trouvaient le même jour au poste. Devons-nous conclure qu'ils se trouvaient aussi au poste ce jour-là? Au regard de ce dire de tout à l'heure. Écoutez, il y a les 31, la Zaki n'a pas daté. La Zaki n'a pas daté. Pourquoi les premiers?
les 31, il y a les 30 Nazaki Namusana. Les premiers des Nabima. Na longwa wana na 11 ya le premier na kienda ko na zongi tongo nango. Merci beaucoup. Nous allons tirer les conséquences parce que nous estimons qu'il est entré les cadres de vérité que l'on va découvrir avec nous. Nambale lekia o lobaki lobi nango o zonga ki na 15. Tu vas jouer au deux au zonga ki na tongo. Il y a pour Bima les premiers. Pour Bima qui le premier à 11h. Oui. Au Zongi Tamoudi. La Zongi l'été. L'été à 14h. 14h15. Je suis en train de lire le bulletin de service. Il est écrit contrôler les militaires aux issues de Mitendi. Je crois que nous sommes devant les juges militaires, dont les comportements des gens doivent être contrôlés également au regard des règlements militaires. Il est dans le document qui a fait qu'il se retrouve là-bas, il a été donné une consigne fondamentale et unique. Mais ici, Monsieur Katebéry comparaît devant vous et fait état qu'il était superviseur. Question de la partie civile. Peut-il vous donner un document contraire qu'il donnait toute autre mission, celle liée à la surveillance, contrairement à celle qui est consignée dans ce document? Était-il alors dans la consigne donnée ou dans une autre consigne? Consigne la gaz qui pour contrôler mi tout canyon sur militaire et sur oiseau qui est devant. Participer le dit que comment qui n'est rien ni au combien de temps là, mais ça là il y a ma chape. Commandant bataillon n'a gagné attaque commandant. Ce qui a eu singaï, Zoua qui est dopé sur la gamme du loco n'a gagné à Koboy. Ce qui n'a pas eu la gamme militaire, c'est gagné à sa vie. Nous allons tirer les conséquences. Le fritoyer bas, nous collons les premiers. Nassima Gouboma, Chebeana Bazana. Tant que vous avez inspection générale et la police, nous tindonini, Major Christian Apesa Kibi, nous prenons la direction. Nous prenons la direction à Vito Kendi, la concession et la Wana aye bisi na avant qu'on bima ou bien aussi beaucoup mis avant qu'on bima l'inspection générale. Colombateur avant tant besoin que l'ongwa inspection bunus bébé que besoin que nena mitendi que besoin que nena mitendi na ferme ya na ya général major Djadita. Et Major Ngoïkenga Kenga, après sort de la destination, la mitaine de la concession, il y a Major Djadji Djandenga, qui est son colonel. Bon, alors, il y aura question dans la mala. Oui. Vous avez mis né? Oui. Christian Kenga Kenga, vous avez mis la moutouka ni? Vous avez mis la moutouka katikati. Vous avez mis la moutouka liboso? Vous avez mis la moutouka liboso, c'est qui il y a un gil. Est-ce que tu as dit que quand on a fait une manœuvre, il est tellement mis.
minute quand nous sommes côté et parquet, minute à côté de Nathalie Sco, côté de la droite, la gagne à Kitty. La monde va se faire mission à Kitty. Laisse-moi la tenue à porter la gagne, la bête mise à la droite, mon amour, il va y aller, mon coin de tennis civil, mon coin de tennis militaire. Alors, tant que vous ici, opération Anna, oui. Est-ce que bah, oh, beaucoup de gens qui ont été en train de pourquoi c'est que la moto va la monnaie que la moto va lui sauter? Peut-être la matinée la moto va lui sauter la semaine, mais la monnaie qui va sauter. La moto. Parce que tant que vous avez dit que vous avez un patron, un balabala, vous avez dit banane. Quand vous avez dit que vous avez un patron, vous avez une voiture là. Et vous avez dit que vous avez un maquis. Quand la balabala, on a un balabala, il y a pas Congo. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous montrez beaucoup de temps vous avez dit que vous sur place? Il y a quelqu'un qui vous connaissez qui vous dit que vous avez est-ce qu'il y a des questions? Lieutenant Bokungo. Président, mon corps. Vous êtes sur la ligne tous. Ma coutume à Moutouna à Lingala. Oui. Hein? À Lingala. Voilà. Vous voyez, Awa, vous êtes l'enseignant. Vous avez un candidat. Hein? Oui. Mais vous avez une obligation à partir d'un. Vous avez un devoir à faire pour solo. Ce que le bibo solo, c'est que l'État et le bibo, ce que vous avez fait, c'est que vous poursuivrez pour un fort enseignement. Oui. Vous avez vu Azana Simanayo? Aïe bien. Azana. Azali na Katembe. Bo salaki na yewa. Yo sali kuna mbula bon. Ngai na sali kuna bambula mine de mita. Kuna mine bambala mbula nini? Yoko lo mara mbula bi. Kandeli ambula nde na bosani. Na yoko lo kuna na na mbula tango general ate na na region. Le ba ko mbula ngai. La première qui j'ai, la bande est surtout la qui. Alors, tu vois, mais tu n'as pas les amis, nous allons aller le 1er juin, tu n'as le 2 juin 2010. Oui. Vous allez qui n'a poste. Oui. Vous allez qui n'a poste de Mikoloana. La poste est Kuna Mikoloï. Oui. Oui. Yo Kangai. Pour répondre l'été, ce qu'on comprend l'été. Oui. Madame Outou Nangaï n'a répondu. Je pas mon problème. Le 1er juin 2010. Oui. Si la Boutou a le 1er juin dans le Kogima, le 2 juin 2010. Oui. Aux Alaki Namoussala Ouap. Aux Alaki Namipé. Aux Alaki Nabanar. Aux Alaki Yé Oyo. Ngai, na adjudant, kumbuna yekoya, na basoda. Vous allez naïe mkoloana. Vous allez qui naïe. Si, bonamouké na tongo le deux. Bonamouké na tongo, to bandi naïe, journée moubimba. Na tongo le soussou, bonamouké naïe na 5h, na moni. Bandi balobi na biso, et bembe moko eza likolo. Et on a le premier. Le premier, tu as vu Naïe. La poste. La poste. La tombe, la tombe, le dernier, ben, quoi, Sabino. Et bien, les amis. Zakuna. Ok, Naïe. Il y en a 5 heures. Oui. Ok, Naïe. Tikuna. Ah. Vani. Ah, Balobi, Motapo, ça n'a pas été un papier. Ah. Tout à la musique. Bishop, tu as vu Naïe. Beaucoup, ça n'a été beaucoup, ça. Et Hermoko, tu as vu Naïe. Dans la police. Baillé, bémissé, bémissé.
biso to yebi ebemete to yebi moto wana to kelemi to zota la ka ba bimisi ebembe ba mbale ayena ayena kisasi nde yo yebi wana nde yo ngana yebi lieutenant Bokumi présent. Donc mukolo yo ebembe moko bakutaki yango na balabala na tongo bozalaki kuna na mitendi yo na katebe na yangai na katumbe na basoda na basoda. Donc na butu wana ya le premier mpona kokoma le deux ozalaki na poste wana na mitendi na ye akatebe azalaki wana basoda nini bazalaki wana bamonyonso basoda bazalaki ajudo okumboi kokima ngai basoda nyonso bazalaki basoda nyonso bazalaki na tangi awa sayo azalaki sayo azalaki panza azalaki panza azalaki na yo bokungu na katembe namoni susu na butu wana po tokoma na tongo baya koyekisa bino ke ebembe moko eza na nzela kuna na kati ya motoka na butu wana puiske yo ozalaki sur place na nai na mina ozalaki biso nyonso oi ai na yo ngai na yo ozalaki bato bazalaki de service bato bazalaki de service banda zalaki banda zalaki service moko nde azokota service sayo azalaki azalaki mpe de service nini ozalaki service ezalaki organize ndenge nini deux personnes ngai pardon ntango tokendeki kuna ngai azalaki na groupe oyo bango bazalaki ngai nazalaki na service oyo ya ngai ngai azalaki service ya biro de yo ozalaki na service ya biro de kazali na service ya biro de oyo nyonso ozotanga wana bazalaki bato ya ye bato ya ye nani katembe service nini tozalaki bango bazalaki tozalaki na service ya bapembe na nsima sikoyo baye kopesa service moto na moto azosala service ye azalaki koaligne basoda na ajida moko azalaki lokwaa ngai nazalaki ngai moko. Donc, yo ozalaki wana lokwa une sorte ya antenne oui ya biro 2 bon. Donc moto azalaki kokamba basoda bazalaki wana ezalaki nde ye ezalaki nde ye na absence na ye ezalaki nani na absence na ye esengelaki ajue na ye oyo aza kosala ajue na nde ajuda wana ajuda wana asa. Donc yo ozalaki kokamba basoda ezalaki aza te oui ezalaki yo te bon ok alors yo moto ya biro 2 na butu wana oremarkaki eloko moko te na butu naremarkaki eloko moko te ntango namoni r bandi kopusana 21 na longwe nake kolala naremarkaki bongo nsima na yango ekomi na tongo ye aye ovandi biso nyonso na basoda aye auto nayebi te nakanisaki kaka kotambola tambolaete aye ovandi na butu wana ntango yo okei kolala ovandi oloki na ba 21 okei na yo kolala otikaki ye azalaki wana namonaki ye te donc na butu wana ye alimwaki namonaki ete moko ndenge akendeki na gele tokokutana na 5 heures pe namoni ye okendeki wapi po naoti kisasa oyokisa bato te okendeka kisasa totiki tolati teni biso nyonso ye alobi akende kisasa akende kisasa alakaki yo nayebi te soki akende sikoyo yo le premier wana piske olobi na tongo ya lete wa 5 nde omoni ye otuni ye yo okendaki wapi yayebisi okendakendaki kisasa mais le premier
Mais,
Ce qui a beau ça, Gaï n'a rien coupé la cible, n'a coupé des lissons. L'enseignant beaucoup, qu'est-ce qu'il y a de précision pour la haie, vous allez qui n'a rien. Yo, tant vous allez qui, comme vous coupez le sonna. Le bas la biche. Au côté du sonna, manga. La manga. La manga, la poste. Au vent, boni, j'ai. Ah, n'a rien, n'a rien qu'à quelque part. Quelque part, comment vous avez la vie sautée? Totiki ma kambana ba ebi si biso kune bembezana ntela. Amba pe bembezana ntela totiki ba makambana. Capitaine ya susia aye ko ebi sa suto ke ndebi so nyonso. To vinde la toke azala ki na teni. O teni ezeki ya kala ya tash tash te ma kushu na ni na beren. Toke ebi so na ba soda na aye na ilam. Toke ebi. Wala na tongo. Na tongo. Na 5h. 5h. 5h vraiment c'est ok. Et là on est dans la poste à la bombe à la porte. Dans le locomo, on est dans la camoune. On est dans la camoune. On est dans la camoune. De quoi faites-vous la fois passée au propriétaire qui était au courrier l'abisso, par contrat. Bon, la fois, à la dernière audience, vous avez. À l'une des questions de parties civiles, vous avez pris l'engagement de nous amener les contrats éventuels de cession. Est-ce que vous les avez amenés? Amenez-moi. Oui. Vous n'êtes pas parti à l'instance. Hein? Vous êtes renseignant. Mon général. Déposer au greffe, le greffier va aller à votre place. Je te signe. Oui, allez-y. Ce document. À l'intention de la Haute Cour, Monsieur le Président de la Haute Cour, distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, je suis en détention parce que poursuivi par l'auditeur général devant la Haute Cour militaire à travers sa décision de renvoi du 21 juin 2021. J'ai comparé et j'ai comparé à ces jours comme témoin ou renseignant dans la présente cause alors que je suis moi-même poursuivi devant la Haute Cour militaire pour les mêmes faits. Je ne trouve pas juste que je sois en train de témoigner au lieu de me défendre personnellement. Chaque question posée constitue pour moi une question d'instruction de l'affaire pour laquelle je suis personnellement poursuivi et exige que je me défende moi-même au lieu de témoigner à charge ou à décharge des prévenus poursuivis pour les mêmes faits que moi. Après la première audience, j'ai échangé avec mon avocat qui a estimé que je devrais plutôt me défendre au lieu de témoigner. Examinant les concepts prévenu et témoin ou renseignant, j'ai retenu qu'un prévenu est la personne traduite devant un tribunal ou une cour pour répondre d'une infraction ou d'un délit. Tandis qu'un témoin est toute personne capable de donner des informations sur les faits dont un tribunal ou une cour a besoin pour éclairer sa religion, à l'exception de la victime, du prévenu et du suspect. Ce qui me pousse à retenir que les deux qualités ne peuvent, sous réserve d'être autrement par votre cour, d'être recadré autrement par votre cour, être retenu dans les chefs d'une même personne. Donc, je ne peux être prévenu et témoin ou renseignant au même moment. Raison pour laquelle j'aimerais, pour le respect du droit de la défense, qui est fondamental et constitutionnellement protégé, que la Haute Cour me permette soit de comparaître assisté de mon avocat, comme les lois le prévoient, comme je suis un prévenu, soit me laisser attendre lorsque je serai invité pour l'instruction des charges qui sont portées contre moi, dans l'audience à laquelle je serai forcément assisté par mes avocats pour assurer ma défense. Je vous remercie. Fait à Kinshasa, le 3 novembre 2021, général de brigade Zéloa Katanga Djadjidji. Comptons engager un débat quelconque avec le renseignant. Nous voulons seulement lui donner les prescrits de l'article 249. Qui dispose ce qui suit. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il peut
au cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Je m'arrête, je me limite là pour vous dire qu'à ce stade de la procédure, la Cour vous a appelé parce que elle voulait avoir la manifestation de la vérité pour les faits mis à charge de prévenu Ngoï Konga Kenga et Migabo qui est en appel et le ministère public qui est en appel. Et l'appel du ministère public est général. On vous a jamais posé une question par rapport à votre décision de renvoi parce que d'abord vous n'êtes pas prévenu et ici nous nous limitons sur des faits précis et ici on ne vous a pas mis en cause, on n'a pas dit que vous avez fait ça, on ne vous a pas mis en prévention, ici nous voulons seulement avoir de renseignements et c'est pour cela que vous n'avez pas prêté serment. Et donc ce que vous demandez à la Cour, ce n'est pas la Cour qui va vous accorder, vous en avez droit parce que vous avez été déjà notifié d'une décision de renvoi et à ce titre, vous êtes déjà prévenu. Et donc il y aura une instance à laquelle vous allez comparaître à ce titre-là. Maintenant, vous comparaissez à titre purement de témoin en vertu de pouvoir, de renseignants plutôt, en vertu de pouvoirs qui sont conférés au président conformément à l'article 249. Pour le reste, vous faire assister par votre conseil, vous le ferez quand vous comparaîtrez comme prévenu. Donc là, ici, nous ne posons que des questions comme renseignants et on se limite là. Nous posons des questions qui sont en rapport avec des faits précis. Revenir là-dessus. Il était question la dernière fois que vous produisiez les actes de cession, parce que vous avez dit que la parcelle, vous l'avez cédée et les parties civiles voulaient avoir la précision s'il y a eu cession, s'il y a eu un acte de cession. Président, je suis un prévenu. Je me limite au mémo que je vous ai dit. Non, dans le mémo, vous n'avez pas dit. Nous qui vous conférons cette prévenue. Nous posons la toute dernière fois les actes de cession promis. Vous les avez pas. C'est que je me limite sur le mémo que je viens de dire. Donc, vous refusez de répondre. Je ne refuse pas. Je suis un prévenu. Mais il faut répondre. Comment vous ne répondez pas? Ici, vous dites que vous êtes prévenu. Monsieur le Président, dans le moment, j'ai demandé quelque chose. Vraiment, je viens de déposer. Qu'est-ce que vous avez demandé dans le moment? Vraiment, si je sois assisté, ou bien que je commence directement à répondre. Dans le mais un renseignant n'est jamais assisté. En droit congolais. L'assistance n'est réservée qu'aux prévenus, selon le code judiciaire militaire et défense. Sinon, nous ne pouvons pas avancer. Mais là, vous n'êtes pas prévenu. Excusez-moi, monsieur le président. Mais on vous a posé la question de autrement. Est-ce que vous connaissez, monsieur, vous connaissez Banza? Monsieur le président, j'ai demandé que je ne réponde pas aux questions. Vous avez dit quoi? Reprends votre phrase là. Cette phrase là est capitale, nous allons acter cela. Oui, monsieur le président, j'ai déposé les mémos. Je viens de déposer les mémos, monsieur le président. Est-ce que, d'abord, vous n'êtes pas parti au procès, vous n'avez pas le droit à déposer un mémo. La loi
parti au procès. Or, vous n'êtes pas parti au procès. Comment vous allez déposer un mémoire? Il n'y a pas de fondement légal. C'est pour cela que nous vous posons la question. C'est à vous de dire, je refuse de répondre et nous tirons toutes les conséquences de droit. Il n'y a pas de problème. Déposez les mémoires, monsieur le président. Acté que le renseignant dit il se contente de son mémo et tout. Vous êtes une cour. Et on vous doit du respect. Ici, il n'est pas question que quelqu'un vienne donner des leçons à la cour. Nous qui sommes partenaires indispensables pour une bonne administration de la justice, on ne l'acceptera jamais. Le renseignant a été appelé par votre cour, par le pouvoir discrétionnaire qui vous est donné sur pied des dispositions de l'article 249 du Code judiciaire militaire. Et il est dans l'obligation, monsieur le président, de répondre à vos questions. Au cas où il ne le ferait pas, monsieur le président, nous demandons que vous fassiez application de l'article 78 du Code de procédure pénale ordinaire. Qui dit ce qui suit? Les témoins qui, sans justifier des motifs légitimes d'excuse, ne comparaient pas, bien que cités régulièrement, ou qui refusent de prêter serment ou de déposer, quand il en a l'obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné à une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et une amende qui n'excédera pas 1000 francs ou à l'une de ces peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut en outre ordonner que les témoins seront contraints à venir donner leur témoignage. La servitude pénale subsidiaire à l'amende ainsi que la contrainte par corps pour le recouvrement des frais ne peuvent excéder 14 jours. On s'arrête là. La suite continue. Les témoins condamnés pour défaut de comparution qui sur une seconde, la suite nous importe, parce que ça c'est la suite quand il est déjà condamné. Et que dans les cas d'espèce, monsieur le président, c'est un défi. Quand il vous dit qu'il reste dans son mémo, vous lui avez fait comprendre que son mémo est irrécevable, parce qu'il n'est pas parti au procès. Et que dans les cas d'espèce, il doit répondre à vos questions. Tant qu'il vous dit qu'il reste dans son mémo, c'est un refus. Ça n'a pas une autre explication, c'est un refus de déposer. Et monsieur le président, on ne peut pas admettre qu'on défie une haute cour que vous êtes, à l'occurrence la haute cour militaire. Et monsieur le président, cette arrogance, nous l'avons remarqué depuis les audiences passées. Et ce n'est pas, s'il a été mal orienté par ses conseils, nous le lui concédons. Mais dans les cas d'espèce, la loi vous donne le droit, monsieur le président, de l'auditionner. En cas de refus, monsieur le président, la loi est claire. Nous avons lu l'article 78 et ça, c'est différent de ce qu'on va faire de Katébéré. Ici, c'est vous-même qui allez les prendre en séance tenante et les condamner pour ça. Nous avons dit et nous serons complétés. Article 3, alinéa 4 de la Constitution. Je vous demande d'appliquer les traités internationaux dûment ratifiés, les lois de la République, la coutume, pour autant qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ainsi que les actes réglementaires, bien entendu. Ici, le code de procédure, non, le code judiciaire militaire, en son article 129, vous demande, quand il y a carence dans ce code, d'appliquer la procédure ordinaire. Le code de procédure ordinaire. C'est l'article 129 du Code judiciaire militaire. Or, mon excellent confrère Maître Chimanga David vient de vous lire une disposition impérative du Code de procédure pénale, c'est-à-dire du Code de procédure pénale ordinaire, c'est-à-dire l'article 78. Ici, il ne s'agit pas d'un témoin défaillant. Ici, vous avez un témoin récalcitrant qui, dans son indiscipline, malgré le fait d'être général, encore qu'il faille savoir
comment il est devenu général. Mais ce monsieur ne peut pas narguer toute une haute cour. Vous êtes une haute cour, la dernière instance à juger les militaires. Comment ce monsieur peut-il se permettre ça? Dire je refuse, je m'en tiens à mon mémo, rédigé par un quelconque conseil, dans un français approximatif. Mais c'est quoi ça? C'est pour cela, monsieur le premier président, monsieur de la haute cour, monsieur l'auditeur général, gardez-nous son monsieur. Dans un mois de servitude pénale, et c'est vous qui êtes compétent, vous la haute cour ici, qui êtes compétent de le juger. C'est différent de Katebere. Voilà pourquoi nous disons, comme la Constitution vous permet d'appliquer les lois de la République, vous appliquez l'article 78, premier alinéa du Code de procédure pénale contre ce général totalement incivique. Allez-y. Monsieur le Premier Président, je suis, mais les partis civils font un temps qu'ils assistent dans un scénario sans précédent qui est de nature à remettre en cause le pouvoir judiciaire. C'est le pouvoir le plus efficace. Parce que devant ce pouvoir que vous représentez présentement aujourd'hui, c'est toutes les autorités qui fléchissent. Mais lorsque vous allez lire, comme l'a dit Maître Bond tout à l'heure, les dispositions pertinentes de l'article 149 de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé en certains articles par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. C'est vous qui êtes les garants des droits fondamentaux et libertés publiques. Notamment ici, les droits à la justice. Et c'est vous qui êtes institué pour rendre justice sur les territoires nationaux au nord du peuple congolais. Alors, sans remettre en cause ce qui a été soutenu aussi pertinemment et savamment par Maître Bondo et Maître David Chimanga, je voudrais faire quelque chose de plus fondamental. Monsieur Gadidja, prenant la parole, il vous dit qu'il avait été conseillé par ses avocats à faire obstruction à la justice. Et c'est très grave. C'est dans ces conditions-là que nous voudrions, parce que l'avocat est un auxiliaire de justice, aider la justice à aller de l'avant, aider la justice à être éclairée. Mais ici, ce sont les avocats qui conseillent un renseignant, appelé 10 mois devant vous, à ne plus déposer jusqu'à l'aider à rédiger un mémo en violation flagrante délibérée des dispositions du code judiciaire militaire. Là, il y a un membre du conseil de l'ordre qui est dans la salle. Je crois que le moment est venu. Nous devons remonter la filière pour connaître ces avocats qui ont décidé de se rebeller contre la justice. Alors, deuxièmement, monsieur le premier président, monsieur Gadida n'est pas au-dessus de la loi. La Constitution, les lois de la République, je voulais parler du code pénal et militaire, le code pénal ordinaire, qui fait obligation à tout citoyen congolais de témoigner pour ou contre devant la justice. Et le refus de témoigner pour ou contre est érigé en une infraction conformément au décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié complètement ce jour. Et dans ce contexte,
nous donnons de la matière au ministère public. Dans ce contexte également, nous constatons que M. Gadi est en train de commettre une infraction dans la salle d'audience et pendant l'audience. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la mise en œuvre de la procédure de flagrance prévue par l'ordonnance loi numéro 70-015 du 10 mars 1970 relative à la répression d'infractions flagrantes à la procédure de délit d'audience. Donc, si présentement là, le ministère public estime que cette composition n'est pas à même de les juger dans ses conditionnalités, il faudrait que cette loi également, parce que nous avons lu la Constitution, l'article 153 alinéa 4, qu'il soit également qu'il prenne des dispositions pour que M. Gadiga soit déféré en position, en procédure de flagrance pour cette infraction qu'il commet présentement pendant et dans la salle d'audience. Je crois que lorsque vous allez agir dans ces conditions, les sommets de la justice militaire que vous êtes, vous ne serez qu'être adoré et que lorsque vous partirez dans le sens contraire, vous risquerez, monsieur le Premier Président, d'ouvrir une boîte de Pandore, donner une prime à l'arbitraire, à l'illégalité et à toutes sortes de malices. Donc, je voudrais, monsieur le Président, adopter toute une autre attitude. Je veux d'abord qu'on dépassionne le débat. Je voudrais m'adresser au renseignant général Djadidja. Mon général, vous êtes ici en qualité de renseignant. L'explication vous a été faite par la cour, c'est celle-là. Cet avocat-là, qui vous a conseillé ainsi, Dieu seul sait s'il est dans ses premiers pas. Parce qu'un avocat sérieux, vertébré, ne peut pas arriver à une telle conclusion et ne peut pas conseiller un général de votre trempe de cette façon-là. Vous comparaissez en qualité de renseignant. Vous n'êtes pas parti au procès. Donc vous ne pouvez pas déposer un mémo. Même les partis au procès savent à quel moment ils peuvent déposer un mémo. Nous sommes déjà au fond. Si tel était le cas, la cour allait rejeter purement et simplement pour irrécevabilité. Dans le cas contraire, dans le cas sous-examen, la cour vous a dit, il n'y a pas de fondement légal. Je suis organe de la loi, je m'assume. Il n'y en a pas. Il serait souhaitable de répondre aux préoccupations de la cour et de toutes les parties au procès. Vouloir agir autrement, je crois que les parties civiles ont même cité l'article 78. Il est évident que pas avec cette composition, parce que vous êtes général et nous devons respecter la loi. Au lieu de vous exposer ainsi, répondez aux préoccupations de la cour. Répondez à la préoccupation de la cour, c'est une ou deux. Tout le monde sait que vous êtes prévenu dans un autre dossier. Tout le monde le sait. Et on n'aborde même pas les questions afférentes par rapport à cette prévention-là. Il serait souhaitable, avant que le tard n'y arrive, de charger le fusil de l'épaule. Je sais que vous le ferez. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Vous ne pouvez pas défier la haute cour militaire, l'instance suprême de l'armée. Je vous invite à revenir sur les bons sentiments et répondre aux questions. Parce que je sais, refuser de répondre et garder silence, c'est deux choses différentes. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre, au moins la cour tirera des conséquences. Voilà pourquoi, mon général, je vous invite à faire preuve de civisme judiciaire devant la cour. Et vous êtes une autorité dans l'armée. Vous ne pouvez pas donner un mauvais exemple. Monsieur le Président, au cas où cela ne tiendrait pas, je crois que l'organe de la loi se réserve le droit. Zaloua Katanga, Djadidja,
Zéloa Katanga Djadidja. Vous avez suivi l'intervention du ministère public et toutes les parties. La Cour vous pose la question. Maintenez-vous votre position, oui ou non? Allez-vous répondre aux questions ou vous ne répondez pas? Pour vous préciser dans votre position, d'autant plus que ce document ne vous donne aucun, il n'y a pas de fondement légal. Oui, monsieur le président, je suis poursuivi pour le même fait. Et être encore renseignant pour le même fait. C'est là où mon avocat préféré. J'entends. Ce n'est pas vous, c'est votre avocat. Vous en avez un ici. Oui. Il est dans la salle. Oui. Maître approché. C'est vrai. Ok. Général Djadidja, vous maintenez votre position. Votre avocat ne parlera pas parce qu'il n'est pas, vous n'êtes pas assisté. Vous n'avez pas le droit d'être assisté. Nous voulons seulement savoir qui était. Mais il ne parlera pas. Non. Vous pouvez pas poser un commentaire comme ça. Je suis prêt de répondre. Pardon? Vous voulez répondre? Oui. Si vous voulez répondre, nous avançons. Okay. Okay. L'attention de toutes les parties. Suivez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous voulons attirer l'attention de toutes les parties que le général Zéloa Katanga Djadidja n'est pas prévenu. Il n'est pas prévenu et évitez de lui poser des questions comme s'il était sous convention. Il est juste renseignant. Monsieur le renseignant, la Cour voudrait savoir si vous connaissez les commissaires supérieurs Ngoï Kenga Kenga. Si oui, dans quelles circonstances l'avez-vous connu? Oui, même la fois passée, je l'avais même consommé, que je le connais. C'était un commandant Watonsima. Vous n'avez jamais fait des opérations avec lui ensemble? D'opérations mixtes, police et armée. Je suis commandant Watonsima. J'ai fait des opérations mixtes avec la police. Mais est-ce que l'avez-vous déjà reçu à Mitaine dans vos deux parcelles? Non. La fois passée, vous aviez une question vous posée par la Cour, vous aviez répondu à la question de savoir si vous connaissiez les militaires Banza Kalolo de Batampère, vous avez répondu par la négative. Est-ce que persistez-vous à l'audience de ce jour que vous ne connaissez toujours pas les militaires Banza Kalolo de Batampem? La Cour m'avait posé la question si je connais l'Ajida Banza. Oui, il s'agit bien de l'Ajida Banza. Non, je ne connais pas l'Ajida Banza. Néanmoins, au Batampem, je connais à cette époque-là un caporal Banza. Banza Kalolo, j'ajoute, Banza Kalolo. Il s'agit de Banza Kalolo. Pas Ajida. Je ne parle pas d'Ajida, j'ai dit du militaire. Militaire Banza Kalolo, du bataillon PEM. Oui, la fois passée, on m'avait posé la question si je connais l'Ajida Banza. Bon, nous parlons du militaire Banza Kalolo. Qui est Banza Kalolo, qui était notamment sur les bulletins de service des militaires qui assuraient les contrôles au point de. Il y a PCR, au point de. Il y a positionnement un PCR. Il s'agit de ces Banza Kalolo, militaire, pas adjudant nécessairement, mais militaire, qui était sur le bulletin de service. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir cédé une maison pour habiter vers Mitendi? Oui, l'avoir logé dans une maison
pas saine. Il y avait c'est pour cela une descente saignée. C'était sur le terrain, on peut bien expliquer. Vous verrez que c'est tout juste derrière, j'avais une maison, tout juste derrière la position des détenus. Oui, et les détenus qui manquaient ou dormir, et si on arrive sur le terrain, vous verrez même l'endroit, Tam-Tam, l'ancien Tam-Tam, vous verrez que c'était vraiment. Oui, dans une, vous avez décédé de maison en location, en dehors de vos deux parcelles auxquelles vous avez fait allusion la fois passée. Oui, là, c'est. Oui, c'est ce que je dis. Cette parcelle-là où vous avez logé les militaires Banzakalo, ce n'est pas les deux parcelles que vous avez. Non, non, c'est à 2 ou 3 kilomètres. Bien, je voudrais savoir pendant combien de temps vous avez été commandant battant PM, de quelle année précisément? J'étais commandant PEM de 2008 à 2015. 2008 à 2015. Est-ce qu'au courant de la période allant de, disons, 25 mai 2010 au 3 juin 2010, toujours, est-ce que vous ne reconnaissez pas avoir été en contact téléphonique durant cette période avec le major Christian Kenga-Kenga? De quelle date? Le 25 mai, du 25 mai au 3 juin 2010. Est-ce que vous ne reconnaissez pas avoir été en contact téléphonique avec le major Christian Kenga-Kenga à l'époque? Du 25. Bien, ça dit que dans les temps proches là, de l'assassinat de Tchebeya, donc 2 ou 3 jours avant l'assassinat de Tchebeya et de Bazana, et 2 ou 3 jours après cet assassinat, vous ne reconnaissez pas avoir été en contact téléphonique avec le major Christian Kenga-Kenga du bataillon Père? Non. Bataillon Simba plutôt. Non. Bien, est-ce que vous connaissez tous les 6 militaires qui étaient en position à Mitaine, vous les connaissez personnellement? 6 ou 7? Moi j'étais commandant bataillon. Connaître tous les militaires, vraiment, c'est, vous êtes militaire quand même. Je me limite à ceux qui étaient en position à. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Néanmoins, les bureaux, tu vois, qui peuvent bien maîtriser les noms de 6 militaires. Mais un commandant bataillon qui gère plus de 800, c'est un peu difficile de connaître un militaire qui est au niveau de la position des militaires. Quand un prévenu, Mugabo, et un autre renseignant déclarent qu'avant, après l'assassinat de Tchebeya et de Bazana à l'inspection générale de la police, et avant qu'il ne quitte avec les 2 corps, le commandant Christian Kenga-Kenga leur a dit que nous nous dirigeons vers la concession du major Djadji. Comment vous expliquez ça vous-même, que soit cette déclaration-là faite par un prévenu et un renseignant avant vous? C'est ce qui m'étonne, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand il y a eu la déclaration, c'est pour cela que j'avais déposé ma plainte à l'éditorial général. Non, je ne parle pas de déclaration de RFI. Il y a un renseignant ici qui n'a jamais fait de déclaration sur RFI, mais qui a été arrêté à Lubumbashi et qui a été entendu après à la suite de Mugabo qui a fait la même déclaration. Ce renseignant-là, il s'agit de Doudou Ilunga, a déclaré que voilà, avant de quitter l'inspection générale de la police, le major Christian Kenga-Kenga nous a dit que nous nous dirigeons vers la concession du général Djadji. Comment vous prenez ces déclarations-là? Pas celles qui ont été faites sous les réfis et à la suite desquelles vous auriez fait une plainte à l'autorité générale. Oui, c'est à eux d'expliquer comment ça. Parce que moi, je n'ai jamais été avec lui à Mitaine. Je n'ai jamais été avec lui à Mitaine. Mais néanmoins, je connaissais les éléments qui étaient à la position de Mitaine. Ils étaient mixtes avec la police nationale congolaise.
faire la déclaration selon laquelle devant la cour que vous paraphez seulement le bulletin de service et que c'est le bureau 3 qui s'en occupe. Exact. Mais en tant que commandant bataillon, vous ne pouvez pas voir les erreurs du bureau 3 où vous signez aveuglement ce bulletin de service parce que vous avez déclaré lors de votre première comparution que c'était une position. Et nous savons tous dans l'armée que lorsqu'il y a une position, il y a des relèves. Mais comment expliquer que KTB est depuis 2009 jusque 2013, il est toujours là? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer que Banza Kalole, alors que les autres, un mois après, ils rentrent, cela reste? Comment on peut expliquer ça sur le plan même militaire? Bien expliqué. En 2010, quand on devrait faire un mouvement vers Maluku, toutes les positions, même les postes de garde sont restés idem. Je ne sais pas. Et si j'insiste encore, pour les bulletins de service, moi, j'approuve. Mais c'est le bureau 3 qui est établi. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de ce commandant-là qui s'occupait du bureau 3 à l'époque, à partir d'avril 2009? Oui, il est en mutation. Comment il s'appelle? Il a quel grade? Actuellement, il est lieutenant, il est colonel. Colonel qui? C'est Gensui. Donc pour vous, vous trouvez normal qu'un militaire en position fasse 4 ans, 3 ans sur place. Même si c'est l'affaire du bureau 3. Parce que si vous ne visez pas, cette histoire ne passe pas. Mais pourquoi? Parce que l'attention du ministère public est attirée sur deux éléments. Banza, à qui vous avez donné une maison? Et Katéber, qui semble être le superviseur de vos travaux. Ce n'est pas à dessein que vous insistiez pour que ces gens-là restent là-bas. J'insiste encore, le bureau 3 est mieux placé d'expliquer ça. Mais le problème de dire que non, j'ai laissé Katébéré et Banza, puisque j'ai attribué, j'ai cédé une maison à Banza. Et non. Mais j'ai bien dit, les commandants de compagnie, ils sont mieux placés de désigner les militaires qui doivent aller à la police. La cour. Je voudrais revenir sur une question. Vous admettez aujourd'hui que vous avez logé Banza dans une de vos parcelles? Oui. Pourquoi seulement Banza spécialement? Quelle particularité il avait? Pourquoi vous le logez lui seul? Pas lui seul. Il y en avait beaucoup. Pas lui seul, il y avait même les lieutenants Mouni qui étaient même aussi dans cette zone. Donc, Banza était logé comme nous, qui ça? Les lieutenants Mouni aussi. Il était déjà logé là-bas. Alors, dans cette même parcelle, ou bien dans une autre parcelle? Dans cette parcelle. Alors, où se trouve cette parcelle par rapport. Ça se situe où par rapport à vos parcelles à vous? Tout juste derrière la position. Oui. Tam-tam. Oui. Mais c'est à 2 ou 3 km là où se trouvent les deux parcelles en question. Où vous êtes où Banza logé? C'est à 2 à 3 km. Affecté au poste Mitendi qui s'appellerait Banza. Il peut être lieutenant ou adjudant. La cour n'était pas précise en ce qui concerne les grades. À aujourd'hui, il vous dit que la cour n'avait pas précisé. Bon, parce qu'il avait quand même en son temps connu Banza comme étant un de ses éléments et qu'il avait d'ailleurs logé chez lui
avec qui il avait un contact permanent. Pourquoi à cette question-là de la cour, il n'avait pas dit que je connaissais un certain Banza, mais qui n'est pas lieutenant, qui est caporal par exemple, que j'ai d'ailleurs logé, pour faciliter la cour. Pourquoi à son temps c'était un refus catégorique de ne jamais connaître un certain Banza? Et je note que la précision du grade n'était pas de mise par rapport à la question de la cour. Je ne vais pas sur les restes on va revenir, mais par rapport d'abord à la connaissance de Banza, parce que c'est la pièce maîtresse, nous avons dit. Monsieur le Président, je vais préciser. Ce jour-là, ce n'était pas la cour qui m'avait posé. C'est la cour qui pose la question. Mais l'avocat qui avait dit s'il connaissait l'adjudant Banza, il est là. C'est lui qui avait dit, il était là. Que si le général connaît l'adjudant Banza, et il avait ajouté que d'ailleurs qu'il est déjà mort et jusqu'à présent on est tenté de garder le corps à la mort. Il est présent. Ce n'était pas la cour, c'est lui qui avait demandé à la cour de me poser cette question. Répondez, mon général. Maître Eli, vous avez la parole. Si je connais l'adjudant Banza, c'est la question qu'on m'avait posée. Vérifier. D'accord. Maître Eli, allez. Jeudi prochain, nous ferons une descente. À partir d'ici? Non, attendez. Non. Il faut avoir le cœur sur place. Le point de ralliement, c'est le bureau de PSR à Mitengi, à 10h. Donc nous nous retrouvons là-bas et puis nous commençons l'audience par là et nous montons. Ok? L'audience est levée pour ce jour. Merci. Amen. Nobi. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, audience élevée. Arme bien répond. En vos ordres, mon colonel. Arme bien. Répond. Mission TV, le miroir du monde.